Voilà, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on voit les gens faire des vidéos, on voit des gens faire les marches, on voit des gens envoyer des audios. Mais quand M. Guy Brice Parfait Kolela était en vie, vous ne l'avez pas soutenu, la diaspora. Il était là, il a crié que je vous aime. Bon, le gars il est ngirinisé. Il marche, il est direct. Mais quand il était vivant, il avait besoin de ce soutien-là. Mais vous l'avez abandonné à lui-même. Juste le peuple sur place à Brazzaville qui l'a soutenu. Peut-être il peut se parfait coller là. Mais vous l'avez abandonné à lui-même, vous n'avez pas cru en lui. Vous les avez dit, dis-nous la bouloula, la toukatouri, dis-nous la bouloula. Moi, je ne fais pas des directs, hein, parce que je n'ai rien à dire. Donc, nous puissions avoir dit ça direct. Mais là, on doit se dire les vérités. Ça me fait mal aujourd'hui. Les gens mettent des tiges, les gens font des directs pour parler de Gribus Parfait Kolela. Les gens pleurent, mais quand il était vivant de son vivant, il a crié, soutenez-moi, soutenez-moi. Vous l'avez pas géré. Aujourd'hui, il est mort. Il est mort. Il va le revenir. Et t'es abissot. Deux fois, on doit avoir l'esprit de discernement. On doit essayer de croire. Après le reste, Dieu va gérer. Le gars a souffert, hein? Le gars a souffert. Il est abandonné à lui-même. Le gars, il a souffert. Donc voilà, je ne dis pas que oh non, les manifestations que la diaspora font, c'est pas bon tout ça, mais on avait besoin de ça avant, avant, depuis, de son vivant. Mais là il est parti. Et puis la diaspora dit que non, à Brazzaville, les gens ne font pas une marche pacifique. Ah, marche pacifique, bah ça y a mon tout. Quand une personne fait une marche pacifique. Mais quelqu'un est mort, il ne va plus revenir. Il est mort, il ne va plus revenir. Ça ne sert à rien. Surtout à Brazzaville, les gens ont beaucoup subi. Les gens ont beaucoup souffert. C'est pas que la mort de Parfait ne fait pas mal. Non, ça fait mal à tout le monde. Mais même si les gens se lancent à faire des marches pendant des siècles à Brazzaville, il avait besoin de ça de son vivant. Il avait besoin de ça de son vivant. On l'a lâché. Et là, le gars, il est parti. Il est parti. Partagez ce direct. J'ai beaucoup de choses à dire. Partagez ce direct. Voilà. Partagez ce direct. Partagez dans les groupes. Partagez partout. C'est pas qu'on non, c'est pas bon. Non. C'est bon, la diaspora. Mais de son vivant, Guy Brice Parfait Kolela avait besoin de ça, ce genre de soutien. Actuellement, vous vous asseyez là, vous faites des directs. Hmm? Vous faites des directs. Il avait besoin de ça, de son vivant. Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, il avait besoin de ça, ce genre de soutien. Personne ne l'a soutenu. Il est mort, il ne veut plus revenir. Ça fait mal, il est mort, on a perdu. On a perdu un homme malléable. On a perdu un homme bien. On a perdu un homme véridique. On a perdu un homme incorruptible. On a perdu un homme. Combien de messages vont se lancer pour la diaspora? Combien de messages? Mais on n'a vu personne faire des directs. Tel qu'aujourd'hui. On n'a vu personne. On n'a vu personne. Mais comme il est mort, vous faites maintenant des directs, vous faites des marches pacifiques. Maman Matsamoukini, soutenons nos vivants. J'ai remarqué que les Congolais aiment plus les morts que les vivants. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Bon, nous amis, bon, peut-être que quand ça va faire leur handicap.
Dieu s'est dit quand il faut un bon amontoine. Là, il est parti, il est parti. Il est parti, ça me fait mal quand je reçois les audios, les gens clashés, quand je vois les directs sur les réseaux sociaux. Hmm? Les gens faire des lives, tout ça là. En train de parler de ça, mais de son vivant, il avait besoin de ce genre de soutien. Monsieur Guibris Parfait Kolela. Il avait besoin des directs de la diaspora. Il avait besoin de peut-être des marches pacifiques, ce que vous faites aujourd'hui. Il en avait besoin, mais vous n'avez pas cru en lui. Oh, y a ni irinisé kena. Ah, mais mon avis, il faut être roi, car esprit discerne le moyen beauté. Bouta roi, t'as le banza. Ah, quand il a yelej. Fallait tailler l'homme pour se soutenir. On ne l'a pas fait. Il est parti, hein. Ou en tête, nous avons perdu un homme. Un homme. On reconnaît la valeur d'une chose quand on la perd. Il est parti. Voilà. Je ne dis pas à la diaspora que marche va t'asse yaibi. C'est nos marches, nos recadres, nos chiri. Prochain moment, ta banque, nos nommés, yéla. Ta va tout le vacances. Bon, mon tout ça va être bête. Quand on est là, en mode délivrance, on est là. Et soyons un peu dans sa poids. Tailler les noms, quoi. Si on trouve que cette personne-là n'est pas claire et louche, on peut lâcher. Mais nous, on n'a rien essayé. Il était juste soutenu par la population de Brazzaville. Par la diaspora, non. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc, tabana sagesse. Il est parti, il ne va plus revenir. Prochainement, tabana sagesse. Tabana sagesse et puis tabeno uni. Tabana sagesse. L'affaire d'eau, il part prendre ceci là-bas. Tant que vous n'avez pas vu la personne, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas bon. Donc voilà, continuez à faire vos marches pacifiques, la diaspora. Je n'ai rien dit dessus. C'est juste que prochainement, Benonama, il a essayé un peu de croire à votre frère congolais. Il n'était pas étranger. Essayez un peu de croire à votre frère congolais. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire à la diaspora. Mais là, il est mort. Même si vous faites 1000 marches pacifiques, même si vous criez, il ne va plus revenir, il est parti. Il avait besoin de ça, de son vivant. Nous savons que bon, elle est engagée pour un béton, mais il est leçon. Que bon, nous allons en un moment. Il faut la saisir, moi, de vision. On n'a pas saisi la vision, c'est ça. Toujours nous dire que bon, toujours ceci. Bref, pour la diaspora. Voilà. Même ça, les bénins pour la diaspora. Partagez la vidéo.